Salut à tous et Joat, et bienvenue pour la quatrième partie de Subnautica. Il m'est arrivé pas mal de galères durant la troisième partie, je vais vous expliquer tout ça. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, les galères continuent, je commence le jeu, j'ai déjà faim, j'ai soif, c'est la totale. Alors en fait, pendant la troisième partie, on s'est quitté un peu subitement. C'est-à-dire que tout ne devait pas se passer comme ça s'est passé. Inventory plein, ok, d'accord, je vais remonter, je vais manger, tranquillement. Donc en fait à la fin de la troisième partie je devais vous quitter et vous dire au revoir, salut tout le monde, à la prochaine. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Mon jeu a planté. Donc il se trouve que mon jeu en a décidé autrement. Donc ça a totalement planté. Donc du coup le logiciel d'enregistrement a planté. J'ai dû couper l'épisode un peu plus tôt au montage. Par contre je regarde dans l'inventaire là. Ouais c'est bon. Je vais faire un petit tour pour ramasser 2-3 trucs. Ouais, donc je continue ma petite histoire. Alors du coup, suite au plantage de mon jeu, et ben plantage de ma sauvegarde aussi. Donc la sauvegarde, au revoir. Tout ça pour vous dire que j'ai complètement... C'est quoi ça? Qu'est-ce qui arrive lui? Ah, il est bugué lui. Alors tout ça pour vous dire que j'ai recommencé le jeu à zéro de mon côté. Mais là, j'en suis plus ou moins au même endroit où on s'est quitté la dernière fois. C'est-à-dire que j'allais commencer à construire ma base. Oh, du cuivre. Ça c'est bon ça. J'allais commencer à construire ma base, oui et non, parce qu'en fait je voudrais bien me construire le petit sous-marin, le CMOS là. Ok, donc déshydratation détectée. Donc bah du coup bah on va recontinuer ça. Je suis au même endroit que la dernière fois. Tiens, voilà, prends ça. Donc j'ai vu aussi parce que la dernière fois je galérais quand même à me construire le sous-marin. Et il y a Nocturis BP qui m'a laissé un petit conseil dans les commentaires. Donc si tu regardes cette vidéo, merci à toi pour l'astuce, c'est cool. Et donc il se trouve que pour construire le sous-marin, il faut des fragments à analyser en fait. Donc le blueprint CMOS, c'est des fragments à analyser. Est-ce que tu arrives à monter dessus des fois là? Voilà, craft menu, CMOS, voilà, CMOS blueprint. Et ben ça, apparemment, ce serait des fragments à analyser. Donc il m'a dit qu'il était pas sûr hein. Donc moi non plus je suis pas sûr d'ailleurs, je suis comme toi. Mais je pense que t'as raison en fait. Je crois que c'est des fragments à analyser, ouais. Mais le problème, c'est que va trouver un fragment là-dedans là. Ce serait un peu comme qui dirait chercher une aiguille dans une botte de foin, tu vois. Mais on va le trouver. On va le trouver. D'ailleurs on va le trouver, Je commencerai bien à avoir soif là, non? Hein? Où est-ce qu'ils sont les poissons transparents là? Parce que vous voyez, je parle et j'en oublie complètement de boire moi. On va mourir, c'est la fin. Je vais essayer de retourner à la base et de stocker ce que je voudrais pas perdre. Allez vas-y, grimpe là, grimpe. Open storage, tiens allez, je mets tout ce que je peux stocker. Batterie, c'est surtout les batteries. Alors, oh là là, c'est plein. On va mourir, je lâche tout. Voilà. Je suis mort. On a réapparu. Ah bah c'est cool. Du coup vu que j'ai... Je pense que vu que j'ai tout lâché, j'ai dû garder mon inventaire comme ça. Je pense hein. Du copper, mes bouteilles de plongée. Hop. Et qu'est-ce qu'elle a la base là? Elle est en train de... J'ai l'impression que la base elle tangue un peu là. Bah, c'est pas une impression. Mais comment que ça se fait qu'elle tangue comme ça d'ailleurs là? Qu'est-ce qui arrive? Bah attendez, mais c'est un truc de fou. Regardez, je vous raconte pas de conneries. La base est en train de... Ah, je crois que c'est peut-être parce que j'ai mis trop de poids dedans. Oui, regardez, ouais, on est en descente, là. Ah, c'est... Ah, je sais, c'est quoi? Je sais. Oh, mon couteau. Mon couteau, mes palmes. Putain, il y a encore des champignons qui volent. Ah, bah, ça y est, regardez. Voilà. J'ai ramassé le dernier champignon, là, et... Et nous revoilà rééquilibrés. Bon, pour ce coup là je vais éviter de faire le con. Parce que du coup j'ai quand même perdu ma partie. Mais ça va, j'ai réussi à sauver mes affaires. Je vais manger ça. J'ai 3 bouteilles d'oxygène sur moi. Je vais aller voir si j'ai pas moyen de me refaire le petit planeur. Parce que du coup j'ai perdu mon planeur forcément. Normalement j'ai de quoi le faire. Il manque du bullet power cell. Ah bah facile pour faire du bullet power cell. 2 batteries et un silicone. J'ai une batterie, j'en ai posé une dans le coffre je crois. Statis Wiffle Fragment. Ah, Statis Rifle. Ça me dit quelque chose ça. Donc là j'ai 2 batteries, par contre il manque un silicone. Bon, silicone je sais que c'est du quartz pour le faire. Ça, Statis Rifle, ça me dit quelque chose ça. J'ai vu ça quelque part. Là tiens, Statis Rifle Blueprint. Donc j'imagine que si je mets le fragment de Statis Rifle là-dedans,
ça va me faire un status rifle blueprint. D'où on en vient à la conclusion. Nocturis, tu avais raison. C'est bien un fragment qu'il faut mettre là-dedans pour avoir le CMOS blueprint. Mais il faut mettre justement un CMOS fragment. Bah, je pense. Hein. Donc du coup, il va falloir que j'aille chercher du quartz, moi. Parce qu'il me faut du silicone. Par contre, ouais, ça fait déjà nuit, quoi. Vous voyez, ça passe vachement vite hein, quand on est dans la base. Tiens, du quartz, il y en a là. Il me faut deux quartz pour faire un silicone. J'ai quoi? J'ai de la place dans le... Ouais, j'ai un peu de place, ça va. J'aurais peut-être dû essayer de refaire un coffre, mais... C'est pas toujours évident parce que j'essaye d'économiser mes objets pour crafter les choses en priorité. Enfin, qui me semble pour moi prioritaire. Donc je suis tout le temps en train d'économiser un cuivre, un truc comme ça. Et du coup, je stocke. Et à force, bah j'ai plus de place. Je sais pas si vous me comprenez... Mais moi je me comprends. Du quartz. Voilà. Ouais, ça c'est cool, j'ai encore un peu de place. Hop. Tiens, il y en a en bas. Sauf que là, ouais, là on commence à s'enfoncer là. Allez, 80 mètres de profondeur, ça commence à faire. Tiens, il y en a encore un. Non, je peux plus rien prendre. Oh, lui là. Lui, j'y fais pas confiance, lui. Lui, il m'a l'air. Il m'a l'air bizarre. On va retourner à la base. Ça c'est pareil, je sais pas trop à quoi que ça sert ces machins. Je sais qu'on peut les prendre, je peux les prendre. Et dès que par exemple on les pose sur des pierres, bah vous voyez ça les fait remonter à la surface. Plus on en pose, plus ça fait remonter les pierres à la surface. Bon, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Pareil, si quelqu'un a une petite solution pour me dire à quoi ça sert ou quoi, je suis preneur. En fait je suis preneur de toute solution parce que je connais pas vraiment tout le jeu. Je connais pas absolument tout du jeu non plus. Hop là, surtout avec la mise à jour, il y a pas mal de trucs qui ont changé. Donc je vous avais parlé de la mise à jour pour construire les bases sous-marines. Mais il y a pas que ça qui a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Même au niveau des crafts et tout. Du silicone, allez hop, je prends. Je vais en faire deux, tiens. Bah allez, vas-y, j'en fais trois, tiens. Hop là, power cell, impeccable. Voilà, normalement maintenant. Eh ouais, et ça c'est cool. Voilà, impeccable. Il est là mon machin. Ah bah ouais, inventory full. Eh mais non mais, de toute façon j'ai pas le choix. Faut que je me fasse un coffre. Allez hop. Ouais. C'est pas vraiment là que je l'aurais posé mais... Pourquoi pas. Pourquoi pas. Le métal, tiens, je vais faire du titane avec. Non. Ah bah non, bah je suis bête moi, je viens de... Mais non! Bon bah c'est pas grave, tiens, je vais me poser là du coup. Hop. Tiens. Impeccable, là il est bien, là, il est pas mal là. Open storage. Je vais prendre ça. Je vais poser quoi moi? Je vais poser du cuivre. Du sel. Hop. Du verre. Silicone, je vais poser là-dedans. Titanium mango, je vais poser là-dedans. Radio fer, je la garde sur moi, ça c'est le petit radar ça. Le couteau silver je pose là-dedans. Hop, ça je pose là-dedans. Impeccable. Là du coup je vais faire du titane. Ça sert pas mal de titane. De toute façon le métal ça sert à ça. Fragment analyse complète. New technology aquatique. Et ben, je suis sûr que ça m'a débloqué Status Rifle Blueprint. Vous voyez, ça m'a débloqué une nouvelle technologie aquatique. Ça par contre, oh ça c'est cool ça, quand je récupère ça. Par contre, vous voyez, par exemple, un truc que la mise à jour a changé, c'est qu'avant, il n'y avait pas d'énergie sur le planeur. Maintenant, il y a de l'énergie. Disons qu'il était infini. Donc bon, ça facilitait quand même les choses. Maintenant, c'est... Non, non, c'est plus possible. Donc vous voyez, déjà, ça... Ça rajoute de la difficulté. Je vais peut-être bien manger un bout là. Impeccable. Voilà. Ouais. Bah où on va trouver du blueprint là. Attends, par contre, non, je vais remonter. Je vais prendre tout mon oxygène. Impeccable. Je sais pas où est-ce que je vais pouvoir trouver le CMOS fragment. Oh là, lui par contre. On va le laisser tranquille un peu là. Tiens, hop. Titanium. Hop. Titanium. Alors ça, du titanium, vous pouvez y aller qu'il y en a partout. Hein. Par contre, quand il s'agit de trouver du cuivre, des fragments de CMOS,
Y'a plus personne. Ah bah tiens, regardez. C'est quoi ça? Statue le fragment. Ouais. C'est pas vraiment ce qu'il me faut quoi, mais bon. Disons que ça fera l'affaire. C'est quoi ça? Statis Rifle Fragment, mais non! Mais c'est pas ça que je veux, moi. Par contre, ça, je vais le prendre, ça. Ah, du copper. Enfin, il y a quelque chose de bien. Là. Et ben voilà, de l'or. Ça, c'est pas mal, ça. Là, je suis d'accord. Hop là, tiens, regardez, il y en a un petit bout là. De l'or. Ça, c'est cool, ça. Hop, et ça, c'est quoi, ça? Titanium. Par contre, mon machin, il perd de l'énergie. Hein. Mais non, j'ai le temps. J'ai le planeur, maintenant. C'est bon. Du copper. Oula, c'est quoi, ça? Je crois qu'il y a un truc qui m'attaque derrière, là. Hop là, on va remonter. Ouais, j'ai encore un peu de place. Hein. Par exemple, c'est quoi, ça? Titane, du métal... pas vraiment c'est pas forcément ce que je cherche. Titane, j'ai l'impression que le titane, ça se trouve plus facilement que les autres, que le cuivre, que l'or. Bon, vous me direz que l'or, c'est normal aussi quoi, on doit pas en trouver des masses non plus. Par contre, ce que je voudrais bien trouver, c'est un fragment, mais un fragment de Semos, là ce serait pas mal. Là, on serait dans le thème, là, j'ai envie de dire. Parce que là, pour l'instant, on fait chou blanc. Hein. Bon, on ramasse quand même de l'or, du cuivre. Mais c'est pas ça qui va m'aider à construire le sous-marin, moi. Enfin, si, quand même, un petit peu, mais... Voilà, quoi. On s'est compris. Ça, par contre, je prends... Oula, mais y a du truc là-dedans. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ouais, 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 on va remonter. Je crois bien qu'on va se noyer là, non? Bon, on va remonter. Urgency, 10 seconds of oxygen remaining. Ouais, 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 je remonte. Ça va. Ça va, c'est cool. Voilà, ce que je vais faire. Mais franchement, mais où est-ce que je pourrais trouver le Semos Blueprint? Où est-ce que je pourrais le trouver? Vous croyez que je suis pas dans le bon décor là? Je sais pas, que c'est peut-être pas par là, non? Ah, c'est peut-être vers les plantes rouges, hein, allez savoir. J'y suis là, aux plantes rouges là. Hein. Ouais, faut peut-être changer de décor pour trouver des nouveaux fragments ou... Oula, oula, aïe, 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 oula, je suis à plus de 100 mètres de profondeur là. Non. Non, non, par contre, je pourrais pas descendre plus profond que ça avec ce que j'ai d'oxygène. Non, non, non. C'est trop risqué. On verra pas ce qu'il y a dans les abysses maintenant. Hein. Faut vraiment que... Bah si j'avais le sous-marin déjà. Ce serait peut-être bien. Mais je l'ai pas. C'est quoi ça? Oh, du silver. J'ai quoi, j'ai encore de la place? Bah ouais, j'ai encore de la place. Mais où est-ce qu'il va être, ce fragment? Oh, regardez, il y en a un là. Terra Reformer fragment. C'est pas forcément ce fragment là que je cherchais, mais c'est pas grave. On va essayer d'aller un peu par là. Y a pas de fragment là. Attendez, on va remonter, je vais prendre l'oxygène et je vais replonger. Comment je peux faire pour trouver ce fragment là? C'est quand même c'est un truc de fou, non? Y a rien du tout là. Si, y a des petits rochers là, mais ouais, mais y a l'eau tout dessus là. Du silver. Moi je veux bien, mais c'est pas ça que je cherche. C'est un fragment que je cherche, moi. Il est où le machin? Ah, mais va-t'en toi! Mais où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis parti? Qu'est-ce que je fous là-dedans, moi? C'est quoi cet endroit là? Regardez, j'ai plus de santé, je vais me faire tuer. On va retourner à la base. Là, j'ai fait le fou, là. Franchement, je sais pas trop où j'étais. Je me doute bien que j'étais dans des grottes, des cavités, mais... C'était peut-être un peu dangereux. Oh, regardez, c'est quoi, ça?
Ah bah Terraformer fragment, bah ouais, c'est ce que j'ai ramassé tout à l'heure en fait. Je suis en train de m'extasier devant un truc là. Alors qu'il n'y a pas de raison. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce machin? Croyez que ça m'attaque ça? Le bordel! Oh non! J'ai plus de batterie! C'est quoi ce machin? Vous voyez qu'il y a des boss dans le jeu ou je sais pas, des super monstres à avoir. Oh mais regardez, mais je parle et j'ai faim moi. On est mort. J'ai faim. Je fais pas attention à ça à chaque fois. Bah ouais. Moi je vais perdre tout ce que j'ai sur moi. Non, on est mort les gars. Je suis dégoûté. Oh non! Non. J'ai perdu tout ce que j'avais dans mon inventaire. Bon, j'ai pas perdu les trucs essentiels, on va dire. Mais tout ce qui est les ressources et tout, j'ai tout perdu. Non, mais je suis dégoûté là. Je suis dégoûté. De toute façon, ce que j'ai trouvé, c'était pas forcément ce que je cherchais. Donc bon. Au pire. Par contre, j'ai plus de batterie là dans mon... Pour faire les batteries chic, il me faut de l'acide morchoum. Donc c'est-à-dire les champignons comme ça. Et je crois que c'est du cuivre. Pour la batterie. Bah si c'est du cuivre, bah du cuivre j'en ai. C'est bon. Tiens, j'en ai là. Voilà. Tout simplement. Hop. Voilà. Comment que je fais moi pour l'assigner à... Batterie R. Ah yes. Faut appuyer sur R pour la recharger. Ok, d'accord. Très bien. Bon bah du coup... Ça c'est cool. On va retourner en expédition là.